ma dernière journée. Demain, je rentre sur Paris. Voilà, je prends le vol de 22h30 et je serai à Paris à 6h30. Amen. Et depuis mon arrivée ici, Dieu s'est glorieusement manifesté dans la vie de plusieurs personnes. Vous savez, nous adorons un Dieu qui est fort, qui est grand, qui est puissant. Il s'appelle Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire le premier et le dernier, le commencement et la fin, la référence. Donc j'ai commencé dans certaines églises et vendredi, on était ensemble ici. Amen. Amen. Mais il y a encore quelque chose de puissant et de grand, de glorieux qui se passera aujourd'hui, c'est que avec vous je termine. Amen. Qui descendra sur vous. Et je crois que ça va marquer la vie. Amen. Ça va marquer la Côte d'Ivoire. Amen. Oh, si tu es d'accord avec moi, dis trois fois amen. 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 Hier, mon avocat m'a appelé et elle m'a demandé des nouvelles. Parce que quand je me déplace, il y a deux avocats qui suivent mes déplacements. Dis amen. Amen. Il y a un avocat international, il y a un avocat généraliste. Le généraliste, c'est au niveau de Paris. Mais l'international, c'est au niveau de tous les voyages que j'effectue à l'extérieur. Ça vous dit que quand on a l'onction, on n'est pas n'importe qui. Alléluia! Tous mes programmes sont suivis. Toutes mes marches sont suivies. Celui qui s'amuse à toucher un moins de Dieu, avant que Dieu ne se lève, c'est les diplomates qui prendront le contrôle sur la terre déjà. Vous savez que nous avons la victoire dans le ciel et nous avons la victoire sur la terre. Je te dis ça parce que l'onction de Dieu va descendre sur ta vie. Ce sont des connexions très puissantes, des connexions avec des présidents, des connexions avec des ministres, des connexions avec des députés, des diplomates, des grands hommes d'affaires, des grands hommes d'affaires, des grandes connexions. Oh, dit, je reçois cette connexion. Je reçois cette connexion. Alléluia. Amen. 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 Et ce n'est pas tout. Il y a aussi une de mes filles qui travaille dans le ministère des ressources humaines en France, qui est la directrice de ma communication. Et elle aussi, elle me suit dans tout ce que je fais dans la communication. Donc, j'ai aussi signé un contrat de 9 000 euros, si on convertit peut-être 4 millions ou 3 millions, 500 000, je ne sais pas, avec des hommes d'affaires chrétiens qui sont chargés de ma communication et j'ai la capacité de faire entrer qui je veux dans cette communication, c'est sous forme d'abonnement. Et j'annonce la bonne nouvelle aussi à cette église parce que l'évangéliste connaît que la partie des domaines. Alléluia! Tous les programmes que vous allez faire ici seront suivis partout en Europe. Partout dans le monde. Amen. 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 Voilà. Donc, si d'ici on vous voit dans le monde, amen, cela veut dire que vous êtes entré dans la troisième onction. Et la troisième onction, c'est quoi? C'est une onction où toute la surface de la terre te voit. Amen. Donc, c'est une onction royale. Vous voyez, David a reçu trois onctions. La première onction, c'était chez son père Isaïe. Vous comprenez? Donc la Bible dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc quand tu montes de dimension et de grade, vous allez voir que la deuxième onction a permis à David d'être roi de Juda.
N'est-ce pas? Donc vous êtes habitant, vous êtes en train de veiller, vous êtes en train de servir le Seigneur, il y a une onction qui est sur vous. Mais la troisième onction a permis à David de régner sur tout Israël. C'est pourquoi quand vous lisez Actes chapitre 1, à partir du verset 8, David dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes venus cet après-midi pour recevoir l'onction des nations, l'onction des extrémités de la terre, l'onction qui nous permet de rencontrer des rois, l'onction qui nous permet de voyager, l'onction qui nous permet d'avoir ce dont tu as besoin. Dis amen. Qui je reçois? Je reçois. Bien-aimé, je vous dis aussi que Dieu, je vous l'ai déjà dit dans la veille, m'a fait la grâce d'avoir une salle pour moi-même à près de 140 000 euros et les travaux. Donc, si on veut faire le calcul, on va à 100 millions. Amen. 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 J'ai commencé des cellules de prière à Boaké, à Bida ici. J'étais rien. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu a fait ça. Donc, je suis en train de vous dire, ne vous stressez pas. N'ayez pas peur, ayez foi en Dieu. Écoutez-moi bien. Avant d'avoir ce local qu'on a acheté, amen, on était dans des salles où on payait 1500 euros. Ça fait au moins 1 million ici. Par mois. Et pour 3 heures. Et quand on finit les 3 heures, les gens sont dehors et disent, prophète Kamel, il faut sortir parce que ton culte est fini. Et ceux qui étaient dehors, c'est pas même des gens comme nous là. Ils ont des beaucoup, ils ne portent pas chaussures. Alléluia. On est obligé de partir. Mais Dieu a fait la grâce. Amen. Amen. Aujourd'hui, on a notre propre terrain. Amen. Il a coûté près de 100 millions. Je suis en train de te dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes ici, vous êtes dans ce cas. Peut-être que vous avez besoin d'une salle confortable, d'une salle climatisée, d'une salle que vous aurez à votre guise, afin que vos projets, la vision, que l'onction du Saint-Esprit qui repose sur vous doit s'accomplir. Mais je prophétise que Dieu libère cette portion, cette grâce dans votre vie au nom de Jésus. Que la provision vienne et que Dieu touche les cœurs. Dieu établisse des hommes et des femmes ici financièrement très puissants afin de pouvoir élever la mise dans la dimension de gloire et de puissance. Oh, dis avec moi, amen. De l'onction. Alléluia! Amen. Le bienfait de l'onction. Bien-aimés, nous sommes dans un programme. Donc, ce programme nous parle de l'onction. L'onction, je vous l'ai dit à la veillée, j'ai utilisé une expression où j'ai dit c'est un parfum qui donne de la valeur à celui qui la porte. Alléluia! Amen. Je vous dis la vérité, il y a des moments où j'étais en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs années de cela, je cherchais même 100 francs pour manger Gaba, je ne pouvais pas. Vous comprenez? Mais aujourd'hui là, c'est une autre dimension. Vous comprenez? Ici, à Paris comme dans le monde, tous ceux qui me connaissent, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Là où je reçois des gens, c'est au 26e étage, un public. Pour entrer là-bas, il faut avoir un badge. Je l'ai montré même à l'évangéliste. Alléluia. C'est une autre dimension. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, nous allons recevoir cette onction, pas pour parler en langue, parce qu'on a trop parlé en langue. Les langues même nous ont parlé. Est-ce que tu as compris? On a trop prophétisé. On a trop dansé. Mais écoutez-moi bien. Quand on parle en langue, on doit recevoir l'argent. Yeah.
crois. Bébé, je suis en train de te dire que une dimension arrive et elle est importante pour toi. Tu ne peux pas être efficace dans ce monde-là si tu n'es pas un homme concret et un homme de pain. Alléluia. Tu pries à partir d'aujourd'hui. L'onction de Dieu doit amener ta prière à l'existence. Les choses doivent se constituer. Les choses doivent s'organiser. Il y a eu des miracles, il y a eu des délivrances. L'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu t'amène à opérer dans tous les domaines. Bien aimé, une personne qui a l'onction, une personne remplie de la puissance de Dieu, c'est une personne qui n'a pas de temps. Dans la face, je dis, Seigneur, j'ai prié, j'attends. Un jour, il y a un de mes fils, homme d'affaires, qui est venu me voir à Paris. Il dit, prophète, j'ai trop prié pour mes affaires. J'ai trop prié, il y a eu des prophéties. Mais les affaires ne se réalisent, ne se concrétisent pas. Qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Je lui ai dit, mon fils, tu n'as pas compris quelque chose. Il y a un secret. Quand on prophétise sur toi et que la prophétie tarde, elle n'arrive pas avec toi, cours, va la chercher. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, va chercher la prophétie. Va prendre la prophétie. Va prendre la prophétie. Va prendre la prophétie. On a dit que tu vas te marier. Le mariage n'est pas arrivé. Va vers le mariage. Elle est sans vivre. Tu rencontres ton mari. Et de la fois, quand tu es là-bas, tu rencontres les hommes d'affaires. Et de la fois, quand tu es là-bas, tu rencontres les politiciens. Tu ne peux pas rencontrer un politicien dans un endroit de Gaba. Alléluia. Donc, si un conseil a demandé, tu peux même mettre 100 francs dans ta caisse. Quand ça atteint 2000 francs, tu vas t'asseoir à son conseil. Je sais que c'est là-bas que François Hollande passe. Je sais que c'est là-bas que Manuel Valls passe. Je sais que c'est là-bas que ces ministres, tout le monde passe. Donc je sais que là-bas, au moins, si je passe 3 heures ou 4 heures dans ce restaurant ou dans ce cafétéria, je vais pouvoir rencontrer un ministre. Je pourrais converser avec lui. Et l'onction à moi pourra faire quelque chose. Et si un grand était touché par ton évangile, par ta parole, après c'est une enveloppe qui descend. Pour aller chercher les gens à la gare pour les amener à l'église.
les gens ont commencé à venir dans plus d'église. Ça c'est pas prière, ça c'est Lazare. Lazare va faire que tes parents vont te respecter. Lazare va faire que ton mari va te respecter. Lazare va faire ta femme, tes enfants vont te respecter. Lazare va faire tout le monde va te respecter. Alléluia. Amen. Passez dans d'autres églises ici. Les pasteurs étaient stressés. Mais non, ne vous stressez pas. Moi, je ne viens pas pour de l'argent ici. Parce que moi, mon cachet en France, ça fait 1 500 000. Je suis même dans mon pays, je suis content.